un des rendez-vous phares de l'association. C'est une belle façon de valoriser les innovations à la filière des environnements de travail. C'est aussi plus de 6 mois de travail de l'équipe permanente et la concrétisation d'un investissement de l'ensemble de l'équipe et des acteurs de la filière. Au jury, c'est toujours un événement extrêmement important. C'est un événement engageant, notamment compte tenu de la qualité des dossiers qui nous étaient présentés, qui étaient tous excellents, mais il faut choisir. Et les Trophées de l'idée, c'est effectivement un événement majeur, en tout cas, pour les directeurs des environnements de travail, mais pas que pour eux aussi. Beaucoup de plaisir à participer à ce jury et j'ai trouvé que nous étions très équilibrés. Nous avions des jurés exigeants et des jurés bienveillants et au final, on a abouti à finalement une sélection assez équilibrée. J'ai été assez bluffée par le professionnalisme de tous les candidats. C'est-à-dire, ils ont tous respecté le timing, c'était 10 minutes chacun et on sentait que les dossiers étaient très bien préparés. Donc beaucoup de professionnalisme de la part des candidats. J'ai été ravie d'être invitée au trophée du jury de l'IDÉE. En tant que vice-présidente de l'ANDRH, cette invitation évidemment montre à quel point le monde des ressources humaines et de l'environnement de travail sont des environnements proches. Le grand oral en lui-même a été un moment formidable, empreint de moments de convivialité, d'échanges passionnés. Et je peux vous dire qu'il a été très difficile de départager les candidats. Je déclare ouverte la cérémonie des trophées 2023 de l'IDÉE.